Salut! Bienvenue aujourd'hui dans le village de Chillac, c'est juste à côté de l'atelier et je vous annonce ma participation aux Journées Européennes des Métiers d'Art. Ça va être les 2 et 3 avril ou 3 et 4, enfin je vous mettrai les dates en tout cas pour retrouver cet événement et on va pouvoir se rencontrer. Toutes les histoires d'événements annulés et compagnie, c'est en train de disparaître et aujourd'hui on va pouvoir se retrouver pour de vrai, se serrer la main et puis discuter un petit peu. Allez, je vous raconte comment ça va se passer. Et voilà, je vous présente Mélanie Riondel qui m'a invité cette année à participer au GEMA à Chillac. Mélanie, toi, tu es vitrailliste? Oui, voilà. Et là, tu as ton petit atelier ici? Oui, j'ai mon atelier dans le bourg de Chillac, juste derrière l'école des Sœurs. Ouais. Alors là, juste derrière nous, les volets verts, là, c'est l'école des Sœurs, l'ancienne école des Sœurs. Il y a l'église là-bas, le parvis de l'église. C'est là que va être organisée toutes les expositions des GEMA? Les GEMA, les Journées des Métiers d'Art, ça va se passer, ouais, entre ici, le jardin, l'école des Sœurs, jusqu'à l'église derrière, le parvis de l'église, ouais. Peut-être dans d'autres salles dans Chillac. Ça un peu plus haut dans le village, là. Ouais, un peu plus haut, ouais. Et toi, c'est dans ton atelier? Moi, je resterai dans mon atelier. Tranquille, ouais. Au chaud. Voilà. Voilà. Et moi, je vais essayer d'amener ma caravane dans la cour de l'école des Sœurs. Je pense que ça devrait passer, on en va mesurer le portail tout à l'heure. Mais voilà, ça va être l'occasion de se retrouver, de parler de bout de bois, de parler de bout de verre, de parler de bout de ferraille, de parler de céramique, de parler de taille de pierre, de parler de... Qui est-ce qu'il y a d'autre? Il y a entre 15 et 20 artisans. La programmation est sur le point d'être bouclée. Et il y aura des démonstrations et deux céramistes, donc avec une démonstration autour. Il y aura une forge à gaz, il y aura des bâtisseurs qui feront de la pierre sèche, il y aura une démonstration d'enduit, quelque part dans le village, on ne sait pas encore, mais sur un vrai support. C'est qui vient faire les enduits là? Les enduits, c'est Jérôme Fontaine. D'accord, voilà. Oui. On est un certain nombre d'artisans d'art ici dans la Haute-Vallée de l'Allier, on se connaît plus ou moins tous, mais pas forcément tous, et c'est l'occasion de, ben voilà, de nous rencontrer et puis de vous proposer des échanges autour de nos différents métiers, nos activités. Donc ben voilà, les Journées des Métiers d'Art, ça va être l'occasion de se retrouver, comme la dernière fois à Domera, c'était avant le Covid, et cette fois-ci, ben voilà, on va pouvoir se retrouver enfin, se réunir et parler de choses et d'autres, parler de notre métier, parler de nos activités, et puis parler de plein de choses, et puis prévoir des travaux ensemble, qui sait? Il y a en tout cas peut-être une œuvre vert-métal qui est prévue, mais à voir, c'est pas encore calé. D'accord, et avec le forgeron? Avec le forgeron, ouais. D'accord, ouais. Cool. Et il y a une chose importante à dire aussi, c'est que ça se passe à Chillac, mais ça se passe aussi dans plein d'autres endroits, du Val d'Allier, à Brioude, à Langeac. Ouais, dans les ateliers. Voilà, dans les ateliers de chacun, à l'Hôtel de la Dentelle, il me semble que ça s'appelle comme ça, à Brioude. Ouais. Voilà, donc il y a plusieurs lieux, ça sera indiqué sur le site des GEMA, ça sera indiqué sur les flyers qu'on distribuera. Il y a tout ça dans les liens en dessous, même si aujourd'hui ils ne seront pas tout à fait prêts, il n'y a pas la liste complète, c'est pas tout à fait défini, mais ça viendra prochainement. En tout cas, vous gardez ça dans vos favoris et vous vous renseignerez juste avant de venir. Et donc, ici aussi, il y aura peut-être des expositions, des exposants? Oui, normalement. Je pense. D'accord. Il n'y aura sûrement pas assez de place devant l'école des Sœurs. Ni à l'intérieur? Ni à l'intérieur. Donc, il y aura sûrement cette place qui sera investie. D'accord. Et d'autres lieux aussi dans le bourg du village. Puis c'est cool. En plus, il fera beau. Alors, c'est bien. Il fera très, très beau. Ouais. Et très chaud. Donc, il fera beau et très, très chaud. Venez nous retrouver à Chillac, en Haute-Loire. C'est dans la Haute-Vallée de l'Allier. Vous verrez, c'est un très joli village. C'est vraiment un super endroit, c'est un des endroits que moi je préfère en Haute-Loire, enfin dans ce coin-là de la Haute-Loire. C'est un village qui a été joliment restauré, c'est propre, c'est bien fait, c'est pas de mauvais goût comme on peut voir quelquefois. Donc venez vite, en plus il fera très très beau, hein, tu confirmes, hein? Super beau. Donc il y aura de la buvette, il y a un petit resto dans le village, enfin un petit bistrot dans le village, il y aura une buvette, il y aura un truc de restauration, c'est ça? Oui, ouais. Ça donc, c'est pas encore complètement calé non plus. Oui, mais il devrait vous y avoir en faites pas. Le samedi soir aussi, mais on vous dévoilera tout ça à le moment venu. Ouais. Il y a des petites animations le samedi soir, on espère. Allez, à ciao, bonsoir. Au revoir.